Jean, je réponds à vos questions sur la FAQ. On est avec la tablette à mon frère pour répondre parce que j'ai rien marqué du tout. Alors, première question de Monsieur Rafa du 26, je vais pas tout le temps lire parce qu'il y a vraiment des trucs bizarres. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà une petite copine poteau? Monsieur se met bien. Non, c'est un pote de classe. Oui, il le sait, mais tu vois, c'est pour que je le dise en vidéo, comme il l'a dit. Donc, on va pas prendre. Alors, c'est quoi ton sport préféré? Mon sport préféré est. En plus, j'ai une balle. Le foot. Voilà, c'est fini. C'est très très rapide, tu sais, le foot. Alors, question de WaterFR. Ouais, t'es vraiment bizarre, mon petit WaterFR. Est-ce que tu as déjà roulé une pelle bien hardcore? Mais sérieux, tu me saoules. Et en plus, il y a Dark Lane, donc aussi pub pour toi, mais t'inquiète, je t'ai prévu une pub dans une autre vidéo. Qui a répondu, oh oui, en plus j'étais là, bon bref. Oui, pour répondre à ta question, c'est pas vraiment une FAQ, c'est plutôt que je réponds. T'es dans quel collège? Je suis dans le collège Alain Borne, voilà, à Montélimar. En centre-ville environ. C'est quoi ton youtubeur mon. Ah. C'est quoi ton youtubeur préféré? Mon youtubeur préféré est Monsieur Paul Etafut10. C'est un youtubeur foot 2017. Donc voilà. Alors, c'est quoi le youtubeur que tu détestes? Le youtubeur que je déteste est Mauno. Mauno. Je le déteste. Il met des titres putaclic de fou. Mais franchement. Je sais pas comment il fait pour avoir autant d'abonnés. En fait, il fait que des analyses de vidéos. Il met que des titres putaclic et c'est bon. Ça m'énerve beaucoup, 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 beaucoup. Prochaine question. Quel est ton objectif sur YouTube? Mon objectif sur YouTube est d'atteindre les 500 abonnés. Il est relevable cet objectif. Donc voilà, 500 abonnés. On est à 200, quand je fais la vidéo, on est à 245. Donc oui, j'ai regagné encore 9 abonnés avec la dernière vidéo que j'ai faite. Donc, prochaine question. Quel est ton jeu préféré? Attends, de Azrod 78. La question est, quel est ton jeu préféré à part Clash Royale? Bah comme je réponds un peu à la question que mon jeu préféré est. Je vais aller te chercher, tu vois, je suis dans le. Où est-il? En plus, je l'ai acheté quand il est sorti direct pratiquement. Non, elle s'est éteinte là. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà qui. C'est ça. FIFA 17. Et après j'ai FIFA 16. Bon bref. Plusieurs FIFA. Alors, on va répondre à des autres questions. Combien as-tu de légendaires Clash Royale? Donc, je peux faire un deck avec. Donc ça veut dire que j'en ai 8. Quelle est ta préférée? Ma préférée est le cimetière que je joue dans la plupart. Que je joue dans mon deck principal pour l'instant. Moi j'ai le molosse de lave, la bûche et le sorcier électrique que j'aime bien. Ok. La question était de Nicolas B 1901 bonus. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, on a une question de Matt 26. Aussi un pote à moi. Donc aussi allez vous abonner. On fait un peu de la pub pour tout le monde. Rafa du 26, allez vous abonner. WaterFR, allez vous abonner même s'il a fait une petite pause. Donc, Marwan Jabbar, est-ce que t'as déjà léché la joue à une fille? Normal. T'imagines, tu poses ça normal que. Non. Voilà. Alors, prochaine question, parce que oui, il y en a encore un peu, je sais. Alors, c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, en fait, sur YouTube. Je vais le dire sur YouTube, mon plus grand rêve. C'est d'avoir
1000 abonnés. Ce serait trop bien, 1000 abonnés, t'imagines? Alors, prochaine question de la pune avec un T-E-U-H. Je vais pas dire la suite. Pourquoi as-tu créé ta chaîne? J'ai créé ma chaîne, bon, en fait, comme pour tous les youtubeurs, hein, pour faire du contenu, enfin, pour pouvoir que les autres personnes regardent mes contenus, tu vois. Parce que je regardais beaucoup de vidéos. Et je galérais à convaincre ma mère déjà pour enfin rentrer sur YouTube parce que c'était assez chaud. Et après, voilà, je me suis lancé. Donc, alors, question de Darkline YouTube. Donc, ça, par contre, je peux pas le faire. Alors, je vais lire toute ta phrase. Marwan, salut, j'espère que tu vas bien. J'aime bien tes vidéos. J'ai au 240 abonnés. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu sais faire un salto? Donc, je sais pas faire un salto. Et en plus, c'est pas une FAQ, ça. On répondra peut-être. Peut-être que la prochaine fois, je ferai un cap ou pas cap. Au moins, pourrais vous faire plaisir. Et une autre chose. Tu peux me faire une pub, oui, parce qu'il m'a fait une pub. Je lui ferai une pub. De toute façon, c'est dans ma prochaine vidéo Clash Royale. Alors, parce qu'elle est déjà tournée, donc je sais un peu. Continue tes vidéos. Gros soutien à toi. Ah oui, j'ai oublié, à ton frère. Doit te tirer dessus. Alors, mon frère, il n'était pas avec moi. Il est en train de jouer. Et je ne lui ai pas dit de venir. En plus, il est juste là. Et non, ça c'est un cap ou pas cap. Faudra me le dire dans mes prochains cap ou pas cap. Pour l'instant, je relève pas ce défi. Donc, voilà. Je crois qu'il en... Salut. Alors, une question de... Je vais pas dire son prénom, c'est trop dur. Quelle a été ta première légendaire sur Clash Royale? Ma première légendaire sur Clash Royale a été c'était quoi déjà? Dragon de l'Enfer. Voilà. C'est d'ailleurs la première légendaire que j'ai au niveau 2 aussi. Donc voilà, je l'ai eu dans mon coffre en bois, ma première légendaire. Donc voilà, c'est fini. Il y avait assez beaucoup de questions. Il y avait 30 co 31 commentaires précisément. Donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un petit pouce bleu. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao.